Allez, Fargo contre Moment, encore une belle partie hein, entre ces deux joueurs. Donc là voilà, on a fini le chargement entre ces deux joueurs, on va pouvoir aller sur la partie et nous y voici. Alors, Moment contre Fargo, donc on est sur ESL Shattered Temple, et là, ce n'est plus un ZVZ, hein, au grand dam de certains, mais bon, on a Stefano qui s'est qualifié donc pour le tour numéro 5, qui doit être, je sais pas, un 16e ou peut-être même un 8e de finale déjà, on a presque 200 personnes, donc là, ça devrait se... qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? N'oubliez pas, après le tournoi, d'aller faire du Star Striker. Donc, je vous invite à aller voir sur Google. Et bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que nous avons donc 200 joueurs inscrits, enfin 195. Et là, nous avons 21h, pardon, il est 21h. Donc, en général, les tournois avec 200 joueurs se finissent vers minuit et demi, 1h. Après, ça dépend. S'il n'y a que des ZVZ à partir des quarts de finale, eh bien, ça se finira peut-être un petit peu plus tôt. Alors, nous avons un dépôt de ravitaillement en haut de la pente et pendant ce temps-là, nous avons côté moment, eh bien, pas de dépôt de ravitaillement, certes, mais on arrive sur le 14e drone et on va donc pouvoir peut-être, eh bien, faire ce premier bâtiment. Donc, ce sera soit, bien entendu, une couveuse, soit un bassin génétique, on va le savoir très bientôt. Là, il y a la caserne également avec la production de Suez Civi qui continue sur ce centre de commandement. Donc ESL Shattered Temple. Les deux joueurs sont en crossbow, donc les deux positions les plus éloignées de la carte au niveau de cette configuration. BO1 right. Yes! Côté moment. Last round. Donc là, on va peut-être partir sur du BO3 après, j'ai l'impression. Donc ça veut dire qu'on est donc dans une huitième de finale, puisque en Gamecred Cup, je vous rappelle que dès les quarts de finale, il y a des BO3. Voilà, on est dans une huitième de finale, nous dit Moment. Donc c'est le cas, le joueur qui se qualifie ici, eh bien, accédera au quart de finale. C'est assez précieux hein, pour les joueurs, puisque à partir des quarts de finale, ça laisse moins place au hasard. En fait, plus vous avez de maps contre votre adversaire, moins ça laisse place au hasard, puisque par exemple, contre un Cheezer, eh bien, vous ne perdez en général pas de BO3. Voilà, alors... Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le VCS, c'est parfait. Le VCS, nous avons ici du drone. Hop là, toile Zelnaga contrôle et on repart. Moment qui a vu que son adversaire n'était pas sur la gauche, donc il sait que son adversaire est ici puisqu'il n'y a pas de close position sur ESL Shattered Temple. Donc il va quand même aller voir ce qui se passe. Il va peut-être essayer de perdre un drone. Moment, voilà, il va perdre son drone, ça c'est parfait. Du coup, un moment qui voit quand même le wall, bien sûr, il doit voir s'il n'y a pas un add-on ou quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, moment, ah zut, moment qui n'a pas vu le wall de son adversaire, c'est bien dommage. Alors nous avons la deuxième base lancée par moment. Juste après, il y a eu le bassin génétique, bien sûr, donc c'est à peu près là. Même chose puisque nous avons la couveuse ici, la couveuse bah, qui continue, qui n'a pas forcément envie de faire du drone en masse, qui a été surtout obligé de faire un overlord. Et là, nous avons deux marines de la part de Fargo qui contrôlent la tourelle Xel'Naga. Bon, très bien, trois drones qui partent sur la B2. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, nous avons très bien un transit. Bon, pendant ce temps-là, et eh bien Fargo lui nous a fait trois marines plus un VCS. Bon, il va y avoir assez de Zergling côté moment pour pouvoir contrer avec les deux queens. En plus, bon, c'est pas hyper ouf. En tout cas, eh bien, nous avons centre de commandement à la moitié. Très bien, la moitié de la construction, deuxième base. Donc pour Fargo, ça m'étonne pas vraiment de ce joueur sur Shattered Temple. Pour un Terran, on peut... Attention, les deux Zerglings! C'est bon! Il est à 17 HP, c'est parfait. En tout cas, eh bien... Comme je vous le disais, sur Shattered Temple, c'est une carte assez grande pour qu'on puisse se permettre de B2 assez rapidement, surtout quand vous êtes en crossbow par rapport à votre adversaire. Attention à l'avancée du joueur Terran, la tumeur muqueuse qui va sauter, il faut l'annuler très très vite, faut l'annuler, faut l'annuler, faut l'annuler. Ça changera rien de l'annuler de toute façon. Donc voilà, la tumeur muqueuse qui tombe, et là, nous avons la Queen qui va essayer de face ses 4 Marines. Moment qui va être obligé de faire. Il est supply block, aïe 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 aïe, il est supply block, ça c'est pas bon. Le supply block qui arrive pas au bon moment, moment qui est obligé, eh bien, d'envoyer tous ses drones au combat. Pour l'instant, il en a perdu 0, il en a perdu 0, il en a perdu 0, mais il pourrait perdre cette Queen. Attention, 4 Zerglings ont été lancés, ça pourrait peut-être faire la différence. Moment qui doit aller sur l'arrière de cette base, ici qui va pendant ce temps-là essayer d'entourer les Marines avec ses drones. Mais là pour l'instant, Moment qui essaie de perdre, qui perd pas mal d'unités. Regardez, il s'est mis ici de façon très judicieuse entre les deux gaz. Il va faire tomber la Queen, il a fait oh là 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 là. C'est la catastrophe pour Moment, c'est le pire début de game dont il pouvait rêver. 4 marines qui ont totalement défoncé son économie. Regardez sa B2 qui ne récolte pas depuis un bail. Là, il va essayer de sauver un maximum de drones, il n'en a perdu aucun, mais il a toujours pas détruit ses marines là. Il en reste 2. Moment qui va peut-être perdre cette unité là. Il va essayer de revenir avec les drones ici avec la micro-gestion. Ça suffira peut-être pas. 2 drones qui sont tombés une fois de plus et un troisième. Ah mon dieu, bon. Horrible, horrible. Parce que là, eh bien, on se dit c'est bon, Moment à contrer et tout. Et là. Tintintin! 6 ouvriers perdus pour Moment et non pas pour Fargo, puisqu'il y a une erreur de traduction. Merci, merci. En tout cas,
catastrophe. Catastrophe pour le moment. Il a perdu une queen, il a perdu 6 ouvriers, il a perdu du zergling. Niveau perte 600 contre 250. Tout ça pour 4 marines et un SCV. Alors là, là vraiment Fargo. Fargo qui a fait un excellent début de partie. Et c'est en BO1. Donc moment qui joue son élimination sur cette partie. Hein. Fargo également. Mais effectivement là, Fargo qui a fait un bien meilleur début. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, terrier de cafard pour moment, qui se laisse pas impressionner, qui continue sa deuxième base, qui continue de droner néanmoins pour l'instant au niveau de sa base. Et trois élions sont en partance dans la base de moment. Alors il avait réussi à bien contrer la dernière fois, mais il avait quand même un aiguillon rampant et quelques cafards. Là il a 9 cafards en production. Pour l'instant il a fait une petite pause, pause qui va bien arranger moment dans la défense de sa deuxième base, tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai bugué là. Et nous avons donc 2 cafards, 3 cafards, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon 10 cafards, un petit peu plus même, qui sont sortis. Moment qui a vu la deuxième base adverse, il voit que ça récolte, il voit que ça mule également. On a posé pas mal de... Oh là, il doit y avoir une income assez impressionnante à côté Fargo. Il avait 4 mules en même temps. On peut s'approcher du 2000 d'income avec 4 mules en même temps, même on les a en général. Mais là, les 2 mules de la B1 viennent de fade. Alors, oh, il a lancé un spatioport, il l'a annulé. Était-ce un misclic? Non. Va-t-il lancer un push? Je ne sais pas. En tout cas, il a cancel son spatioport. Attention au moment qu'il va sortir tous ses cafards. Oh, qu'est-ce que c'est dangereux ça! Faut absolument qu'il bloque sa pente. Il faut qu'il bloque sa pente. Faut vite qu'il bloque sa pente de moment là. Parce que si Fargo arrive à passer avec la flamme bleue, ça va être une catastrophe peut-être ici. Éloigner peut-être les drones, je ne sais pas. Attention au moment. Oh là là, moment qui perd encore beaucoup d'ouvriers. Mais ça perd beaucoup d'élions de l'autre côté. Effectivement, Fargo qui avec le barbecue arrive. Oh la vache ici. Tous les élions qui sont morts, mais de l'autre côté on a tué pas mal de drones. Et moment qui se retrouve donc à 15 ouvriers perdus, mais là il n'y a plus beaucoup d'unités pour défendre côté Fargo, et peut-être qu'il va nous faire un petit peu la même chose que tout à l'heure moment avec cette espèce de gros push qu'il avait fait contre l'adversaire. Et là regardez, Fargo sent que ça va être un petit peu la merde, et donc il a fait pas mal de bunkers pour se protéger, bunker qu'il pourra de toute façon recycler. Oh là là, c'est presque un all-in côté moment lancé de ce côté-ci. Et là, et eh bien si Fargo arrive à contrer cette attaque, il sera tout simplement gagnant dans cette game. Attention, moment qui a quand même énormément d'unités ici, le char qui n'a pas encore l'amélioration pour se mettre en siège. Il va peut-être essayer de capturer ce supply depot. Voilà le supply depot qui va peut-être tomber malgré toute la réparation des SCV. Voilà le supply depot qui tombe, et au moment qu'il peut entrer dans la base du joueur terrain, mesdames et messieurs, et il n'y a plus beaucoup d'unités. Il y a deux chars en siège et un qui est très bien placé de ce côté là moment qui focus peut-être un petit peu les mauvaises unités ici, qui s'empale, qui est capable de laisser renfort. Il y a quelques Zergling qui pourraient peut-être faire la différence ici. Voilà moment qui joue assez bien, qui va se mettre hors de portée de ce char de siège, qui va essayer de faire perdre des ressources à son adversaire en l'empêchant de recycler ses bunkers. Voilà un déjà qui est annulé, et là il empêche l'adversaire de récolter sur cette deuxième base, donc c'est plutôt une bonne chose que nous a fait moment ici. Pas assez pour gagner la partie, du moins pas pour l'instant, mais au moins il a bien handicapé son adversaire. Lui il continue d'avoir sa B2, il a un income assez stable qui reste sur du 700, parce qu'effectivement moment a perdu beaucoup de drones, mais au moins il a égalisé cet income pour un petit peu de temps. Alors bon, qu'est-ce que nous avons? Oh mon dieu, bon, moment qui a éviter le pire en faisant cette petite attaque là. Il a tué tous les bunkers, quelques supply dépôts également. Il y a 2 supply dépôts qui sont tombés et 3 ou 4 bunkers. Mon dieu. En tout cas, eh bien, moment qui se permet de redroner du coup. Hein. Il sait que son adversaire va pas trop l'attaquer, du moins pas tout de suite. À moins qu'il retente un run by des lions, mais ce serait assez dingue. Enfin, ça lui ouvrirait sur une attaque de moment un petit peu pareil. Enfin bon, alors, du coup, on a lancé des aigus rampants côté moment pour se défendre. Je croyais l'avoir vu, mais en fait, non. Je crois qu'il en a lancé un et qu'il a annulé, enfin j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on a Fargo ici qui repart avec quelques élions, qui évite de se faire voir par le milieu, par la tourelle Xel'Naga, au cas où moment ait pris le contrôle. Mais regardez ce qui se passe, moment qui voit les 4 élions arriver. Beaucoup de chance pour le timing de moment ici avec son Overlord qui va voir donc les élions arriver en plein milieu de son armée, qui va essayer de les contrer. Voilà, hop là. Et du coup Fargo qui va pas pouvoir faire grand chose. Oh là là, qui a tué la tumeur muqueuse en attaquant un cafard. Ça c'est quand même, enfin je crois qu'elle était sortie. Non, j'en sais rien. Bon, en tout cas s'il l'a fait, ben, c'est quand même pas mal de chance. Bon, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici du drone encore hein, pour moment 55 ouvriers, moment qui est repassé devant au niveau de l'économie. Donc ça c'est effectivement une bonne chose. Le centre de commandement lancé pour Fargal ici à gauche. Là nous avons le char de siège, le double char de siège, voilà, qui attaque. C'est pas mal hein, quand ça tire comme ça. Regarde, pom 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 pom. En tout cas, eh bien, il se prépare pour une B3 le joueur terrain, vous voyez, qui est en train d'être lancé ici à gauche. Moment lui va avoir sa B3 sur la gold. On va assister à une game assez cool quand même, quelle qu'en soit l'issue ici. Regardez, 3 usines hein, pour Fargo, 3 usines Tech Lab avec l'armurerie qui pourra même faire du tort si moment se lâche trop sur les mutas, puisque je vous rappelle qu'il y a une Spire qui a été lancée, non pas une Spire, hein, une Spire, un peu de respect quand même pour les bâtiments. Voilà l'aiguille qui est ici, 75% de construction, et là nous avons les rochers destructibles, mesdames et messieurs, nous avons
Les rochers destructibles qui sont en train d'être cassés par moment. Mais c'est une bonne chose. Après, au moins, il pourra attaquer cette troisième base de Fargo avec quelques run-by et tout. Enfin bon, il y a quand même pas mal de chars de siège côté Fargo. On part sur de l'exclusif mecha. Et vous le voyez, cette usine qui fait que de l'hélion. Ces trois usines qui font que du char. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'income pour alimenter les trois usines en faisant les deuxièmes bases et tout. Mais ça ne saurait tarder puisqu'avec trois bases, effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, il a le contrôle de la tourelle Xel'Naga. Mais attention. Parce que là, il y a des hélions qui arrivent. Ils vont pouvoir aller dans cette base gold. Les roaches sont plutôt loin. Enfin, du moins, ils sont à gauche. Le temps qu'ils arrivent, eh bien, on va pouvoir cramer pas mal d'unités. Hein. D'autant que là, Fargo a l'air décidé à y aller. Enfin, il a un petit peu bougé là. Pour l'instant, eh bien, le Terran a surtout vu que Momo est en train de casser ça. Regardez ce qu'il nous fait le joueur Terran là. Hop, il fait drop des hélions. Et dès qu'il perd des HP, il les remonte. Comme ça, ça fait de la flamme bleue direct. C'est bien joué. Ça, c'est un petit peu la technique de Brood War avec les River Protoss. Mais là, eh bien. De ce côté-là, nous avons 10 mutants en construction dans la base de moment avec 7 cafards, l'amélioration également de l'attaque des mutas qui est sortie. Mais de l'autre côté, du côté de Fargo, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe, on n'est pas dupe. Et on a lancé 2 torts. Et oui, 2 torts. Bon, on n'a pas vu cette Spire. Moment l'a d'ailleurs fait un petit peu sur le haut, vous voyez, de sa base pour ne pas être scanné en plein milieu de sa B1. Mais au moins, eh bien, le Terran aura du contre, puisque de toute façon, après, quand vous partez sur Mecha, c'est assez logique. Là, vous voyez, moment qu'il y avait des mutas qui les a mis un petit peu sur la droite. Attention, le drop, il a été vu par cet Overlord magnifiquement bien placé de la part du joueur français. Peut-être va-t-il essayer avec ses mutas d'aller le poursuivre. Mais non, parce que Moment ne veut pas se trahir. Oh, belle défense ici de la part de Moment sur sa base gold. Mais il a quand même perdu déjà beaucoup de drones. Oh là là, déjà presque 5 ou 6 drones tombés. Là, il a tenté de donner un dernier coup, mais non, ça n'a pas suffi. Hop là, les hélions qui partent sur la B1. Regardez, Fargo qui essaie de rendre fou Moment ici. Voilà, hop là, encore un drone qui est tombé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui sont tombés. 5 drones qui sont totalement tombé, donc là c'est une catastrophe. Enfin, du moins, c'est assez efficace hein, côté Fargo. C'est le moins qu'on puisse dire. On a fait du double tor, on a fait du char de siège ici. On continue de faire du tor, bien sûr, côté Fargo. Donc là, pff, moment, ça va être difficile. Hein. Là, il part sur du Mutaroach. Donc là, c'est pas évident côté moment. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Il y a une B3 ici côté Terran, moment qui est sur la gold, qui arrive du moins à égaler, presque même dépasser l'income du joueur adverse. Mais moment qui pour l'instant a une assez bonne macro. Hein. Il a une bonne gestion de ses ressources, du moins peut-être un petit peu outgaz et un petit peu trop de minerais, mais là au moins il va avancer dans la base adverse et il va voir qu'il n'y a pas de tourelle et eh bien anti-aérienne. Enfin, il va voir qu'il y a une tourelle anti-aérienne, pardon, mais surtout du tor dans sa base. Oh, ça lag. Il y a du VCS, c'est parfait. Oui, très bien. Dark Prince a quitté la partie. Ah, il va essayer de focus cette deuxième base, cette première base, pardon. C'est pas mal là ce que nous fait Moment. Avec ces mutalisques, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on continue de récolter. Vous voyez ce qu'on a amélioré là? On a amélioré le blindage des véhicules Terran côté Terran, justement. Et qu'est-ce qu'on va nous faire là, côté moment? On va essayer un petit peu de gérer ces mutas là qui vont se balader un petit peu partout. Donc voilà, pas faire n'importe quoi. Surtout, ne pas en donner, hein, ne pas en donner trop gratuitement. Ne pas en donner trop gratuitement. Ça, c'est surtout la principale erreur qu'on peut faire en Zerg, bien sûr, quand on a trop de mutas. C'est d'en donner trop sur les tors et sur les tourelles anti-aériennes, puisqu'après, c'est trop le bordel. Attention à ce tor qui va faire un carnage. Bam, bam, bam. Oh la vache! Le premier coup du tor. Oh là là, tous les tors. Oh punaise! Voilà, je vous parlais de pas trop donner les mutas, mais là, moment, on a perdu quand même. Quelques-uns, et en tout cas il a perdu pas mal d'HP, donc va falloir les mettre au-dessus du creep pour qu'il régénère un petit peu plus vite. Alors qu'est-ce qui se passe? Un petit drop ici sur la B5, la B5 de moment. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, bah on passe sans trop de... En tout cas, moment a vu ce drop là. Non, évidemment il a pas vu, il a des roaches enterrées ici sur le sur la tour Xel'Naga. Ça c'est bien parce que si jamais le Terran arrive, et on le défonce. Et là, je pense que... Non, ça va, Moment a vu le drop. J'allais dire, s'il l'a pas vu, ça va être une catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on est quand même beaucoup d'ouvriers perdus pour Moment. Hein. 26 ouvriers perdus, 27 maintenant. Ça va, il a réussi quand même à limiter les dégâts en tuant pas mal des lions ici. Ah, il poursuit pas le drop. Si, voilà, il va le poursuivre, il va le trouver. Ouais, il l'a trouvé, il est en bas à droite, voilà. Et de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici Moment avec ses Zerglings qui sont là. Bon, très bien, très bien. Très bien. Alors, nous avons pas mal de cafards. Nous avons de l'hélion. Ah, il pourrait lui faire peur là en faisant bah, en sortant avec toutes ses unités. Enfin, il n'y a qu'un seul roach, vous voyez, côté Terran. Eh bien, oh, il n'y a que 2 unités, c'est super. Mais oui, parce qu'il peut pas non plus se douter qu'il y a toutes les unités. Mais c'est pas mal ce que fait Moment. Il attend que son adversaire le push. Et dès qu'il sort, paf, il sort toutes ses unités. Alors là, vous voyez, Moment.
Ah, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Est-ce que Fargo va voir la petite fumée noire par terre des cafards? Regardez, là, du côté de Fargo, on est là. Et bam! On a sorti toutes les unités. Il a pas eu le temps de se mettre en siège, Fargo. Et Moment ne pouvait pas engager la fight mieux que ce qu'il vient de faire ici. Il focus tous les torts. Il amène ses mutas. C'est extrêmement bien joué de la part du Zerg français qui prend un avantage considérable. Regardez, en détruisant toutes les unités Terran. Oh là là, quel joli move! Quel joli move de la part de Moment. Assurément, le move de la victoire à 187 de pop. Il y aura totalement annihilé la population Terran. Extrêmement bien joué de sa part. Un excellent move. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il a vraiment mérité sa place en quart de finale et pour les premiers BO3. Alors, est-ce que ça va commencer maintenant? On va citer peut-être un autre BO3.